la Woodbox du mois de mai qui est arrivée, qui est toute belle, qui parle de plein de vilains méchants. Et on commence, enfin vilains méchants, tout est relatif, hein, avec une petite figurine beaucoup trop mignonne de Rocket qui a joué donc dans Les Gardiens de la Galaxie. Petite boule de poils, on pourrait dire presque cette peluche qui est juste trop chou. Et je sais pas si on voit là, une sorte de petit Groot. Il y a un petit Groot qui est carrément bébé Groot, je dirais, sur sa tête. Voilà, donc ça c'est la première figurine, elle est plutôt jolie, elle est sympa. Je vais pas la déballer parce que j'ai envie de la garder telle qu'elle. Donc oui, on voit des grosses lumières dessus, oui, oui, oui. Mais sinon, elle est plutôt chouette. Voilà, il y a Groot, donc forcément, je vais. On passe à la suite avec un petit Avengers Infinity War. Et apparemment, on peut tomber sur plein d'Avengers différents. C'est un Mystery Mini. Et alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Je suis très très forte pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur. On va deviner ça ensemble. Déjà, j'ouvre la boîte. Mon Mystery Mini préféré, c'est ceux de Game of Thrones et ceux de Harry Potter. Malheureusement, ils sont au bout d'un moment en rupture de stock et c'est dommage. Du coup, je les ai pas tous. Mais je les trouve beaucoup trop cute. Ça se présente comme ça. Ça se présente dans un petit emballage noir. Et là, l'idée, ça va être que je devine lequel c'est. Alors déjà, lequel j'aimerais bien. J'aime bien le petit Iron Man. J'aime bien le gros Iron Man aussi. Il y a une nana là qui a la peau verte. Je ne connais absolument pas son nom, mais je la kiffe aussi. Si vous avez son nom, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et j'espère que je vais tomber sur un de ces trois là. Allez, c'est parti. Il a pas 6 bras. Il y en a 2 devant. Il y a des bestioles avec beaucoup de bras. J'ai l'impression qu'il fait un truc comme ça avec ses mains. Est-ce qu'il y a un bouclier? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est soit un qui est tout en noir et qui fait comme ça avec ses mains, soit Spider-Man. Peut-être Iron Man, hein. Il a l'air d'avoir des petites oreilles. J'ai l'impression que c'est celui qui est en noir qui fait comme ça la 1 sur 24. Je tente. Et c'est qui a gagné? La la la, je vous ai dit, je suis imparable à ce. Je reconnais très très bien les formes. Il est mignon. Et puis alors là, la petite tête qui bouge. C'était celui-là, c'était bien la 1 sur 24, il est sur le côté là d'ailleurs. J'ai gagné! Alors je sais pas du tout ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné. Allez, je pose la bête, il tient debout, c'est parfait. Passe à la suite! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'aime bien les dragons. Peut-être pour ça que j'adore Game of Thrones. Il y a des vikings, il y a un dragon. Je sais pas ce que c'est, mais on va vite le savoir. Où est notre petit carnet explicatif? Oui, parce que si vous avez un doute, vous sortez le petit carnet explicatif, vous l'ouvrez, et là... Ça dit quoi? Plaque en métal exclusive, inspirée d'une célèbre série TV médiévale fantastique. Cet accessoire poussera les autres à faire preuve de respect sous peine de subir de très violentes représailles. Ok, donc c'était pas un personnage en particulier. D'accord, donc attention, hein, si vous venez chez moi, il y a un dragon qui va vous cramer les fesses. Donc ne venez pas, merci. On passe à la suite avec notre petit pins. Ah, c'est original. Le pins brutal. Celui-là aussi, ça veut dire viens pas chez moi, sinon tu vas mourir. Il est inspiré de quoi? Portez ce pins pour être transporté dans un beat'em hall, dont le seul et unique but est de bombarder vos ennemis, qu'ils soient humains ou aliens. Ok, c'est clairement pour faire la guerre. On passe ensuite au t-shirt, et comme la boîte l'indique, le t-shirt est un t-shirt God of War. God of War. Le petit t-shirt à ajouter à mon énorme collection de t-shirts Woodbox. Alors, c'est pas un t-shirt que je mettrais dans la rue, clairement. Mais ça, c'est le t-shirt que tu mets quand t'as pas envie qu'on t'embête et qu'on vient chez toi. Donc, si vous voulez venir chez moi et que vous n'êtes pas invité, je sors ce t-shirt, je mets cette plaque-là devant ma porte et je mets mon petit pins là. Et c'est fini. Oui, c'était une dédicace à Pierre Lapin. En tout cas, cette petite box est terminée. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, vous, comme Avengers. S'il y en a que je kiffe, ou si vous en avez eu un que vous n'aviez absolument pas envie d'avoir. Ce sont des choses qui arrivent totalement. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder dans le lien de la description pour avoir le site ainsi qu'un code promotion si vous avez envie de cette box. Et si vous en voulez pas, et ben vous regardez pas en dessous. Et puis c'est tout. Des bisous.